une alliance, on est lié légalement et on est tenu par la loi de la respecter. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, salut. N'a continué avec étude nous sur élève ton autel. Nous espérons que déjà ou béni et nous encourager au pour capable continuer suivre ce message ça, partager lien avec nos amis, partager avec nos familles et ainsi ou va béni. Déjà que bon Dieu bénisse et bonne écoute au nom du Seigneur. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Versets 22 à 26. Je lis à partir du verset 21. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. My God. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang ?» à cause de la circoncision. Seigneur, fais-nous comprendre volonté et vérité parole. Merci pour l'onction ça qui bat nos forces. Alléluia. Quand est-ce que tu as joué une force, mon Dieu, pour nous camper comme ça dans le monde physique, pour nous parler dans le nom de Jésus, pour nous représenter. Bouche, mon Dieu. Remandez-vous que grâce soit capable toujours couvrir nous. Nous parlons, bon Seigneur, tu le sais. Mais tu veux nous délivrer. Utilisez-nous et menez-nous quand vous voulez nous arriver à. Prends contrôle, service ça, by force à la prédication de la parole. Que le cœur de tes enfants et de ceux-là qui te cherchent se réjouissent en toi. Fais-nous du bien, car nous t'avons ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous avez dit pour me dire à la fin du service, on a fini avec des prières intenses dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous t'ai enseigné qu'il y a deux spiritualités. Il y a deux mondes spirituels. Il y a le spirituel de Dieu et il y a le spirituel de Satan. Nous entendons par spiritualité l'expérience du divin, la réalité du sacré. Le monde physique est connecté au monde spirituel de Dieu et au spirituel de Satan. Et cela se fait au moyen des autels. L'autel est un élément puissant dans la spiritualité. Quand un humain veut expérimenter le divin, il bâtit un autel. Ce principe est d'origine divine. C'est bon Dieu même qui bâille principe ça, qui révèle. Dieu dit en Exode 20, 24, « Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom. » Je viendrai à toi et je te bénirai. Un autel est donc une porte ouverte sur le surnaturel. C'est un pont qui relie le monde visible au monde invisible. Bâtir un autel, c'est ouvrir la porte au surnaturel. C'est inviter le surnaturel à se manifester. C'est demander à un esprit de se révéler. Bâtir un autel, c'est créer un espace de rencontre, de commerce, d'échange, d'offrande et de communion spirituelle. Les Athéniens avaient une multiplicité d'autels, symbole de leur dévotion aux différentes divinités avec qui ils étaient liés.
Ils avaient dressé des autels à Zeus, à Hera, à Poseidon, Demeter, Apollon, Artemis, Athéna et Aphrodite et d'autres dieux de l'Olympe. Et quand ils ne savaient plus quel dieu invoquer, ils ont monté un autel à un dieu inconnu. La Bible dit en Actes 17, 22, 23, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Hommes athéniens, je trouve à tous égards, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un autel avec cette inscription à un dieu inconnu. » Athènes était une cité d'autel, une cité dominée et influencée par les démons. Quand un homme veut donner aux démons le contrôle de sa famille, quand un homme veut donner aux démons le contrôle d'une ville, quand un homme veut donner aux démons le contrôle d'un État, quand un gouvernement veut donner aux démons le contrôle d'un pays, il a bâti des autels. Le livre des Chroniques rapporte que le roi Achab avait bâti un autel à tous les coins de Jérusalem et dans toutes les villes. Pourquoi? C'était pour donner au Dieu de Canaan le contrôle du pays. Il connaissait ce principe spirituel. Pour faire venir un esprit sur la terre, on a besoin d'un autel. Et derrière tout autel, tenez ça, je n'ai pas oublié ça, derrière tout autel, il y a un esprit. Les esprits d'autel, ils ont influencé la vie des gens et déterminent à certains égards l'expérience humaine. Ils ont autel, bah, ils ont esprit, le droit légal d'opérer dans un lieu, dans un endroit, dans une région. Gagné en pile monde, tendez l'évangile, mon Dieu, voyez pour Astoya. Gagné en pile monde qui malheureux. Gagné en pile monde qui misérable. Gagné en pile monde zio, tête en bas. Et problème yo attaché à un hôtel. Problème yo sorti de un hôtel. Et comment ou expliquer déclaration sa pasteur? Ou a besoin qu'on ait que yon hôtel est un lieu d'alliance. Qui ça yon alliancier? Yon alliance, c'est un accord, un contrat entre deux parties. On parle d'alliance humaine et d'alliance divine. Yon alliance humaine, c'est les deux mondes d'accord et puis tout, yon font contrat homme à homme. Yon alliance divine, li implique yon humain ensemble avec yon divinité. Dans la Bible, nous joignons tout au moins deux types d'alliance. Gen ça, y aurait les alliances inconditionnelles et gen ça, y aurait les alliances conditionnelle. Une alliance inconditionnelle, c'est lorsque une divinité ou bien Dieu lui-même, le Dieu que nous servons, Yahweh, prend sur lui-même l'engagement pour accomplir un bagage, pour le faire un bagage. Donc, il y aurait l'alliance ça, une alliance inconditionnelle. C'est mon Dieu qui descend, c'est mon Dieu qui paraît, c'est mon Dieu qui manifeste et puis tout déclarer la fond bagage. Mais dans l'autre type d'alliance, il y aurait l'alliance conditionnel. C'est mon Dieu qui paraît à un monde et puis tout le dit, sous fait ça, m'a fait ça. En d'autres termes, le résultat dépend d'une certaine condition. Dieu dit, je te bénirai si tu observes ma parole. Je te bénirai si tu gardes mon alliance. Je t'élèverai si tu entends ma voix. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre si tu observes ma parole. My God. Et vous me tenez, mon Dieu qui dit, c'est pas des bagailles m'ta faveur. C'est pas des causes m'ta faveur. C'est pas des gars m'ta faveur. M'ta fait tout le monde respecter ou. M'ta fait bouche ennemie au fermé. M'ta fait apprendre respecter mon. Si seulement tu étais fidèle à mon alliance, si seulement tu voulais suivre mes conditions, mes préceptes et mes instructions, m'tenez mon Dieu qui dit, moi j'ai alliance inconditionnelle, même j'ai alliance conditionnelle qui dépend de ton obéissance, qui dépend de ta fidélité, qui dépend de ta loyauté. Si tu es loyal, je te bénirai. Si tu es fidèle, je t'élèverai. Si tu es obéissant, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage
bouche de Jacob ton père. Et puis tout mon Dieu dit, la bouche de l'Éternel a parlé. C'est la bouche de l'Éternel qui parle. C'est mon Dieu qui dit ça. C'est mon Dieu qui dit, sous ton des samedi, sous fait samedi, m'a béni, m'a élevé, m'a pas promotion, m'a fort valé terrain. Il y a demandé, côté bagage ça sorti. Il y a posé tête aux questions. Qui côté onction ça sorti. Qui côté grâce ça sorti. Qui côté fameux ça sorti. Voilà Dieu, l'élévation. Pas sorti du nord, l'élévation, pas sorti du sud, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation, mais l'élévation sortie de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Priez que mon Dieu joigne dans où il y a un monde qui fait volonté, que mon Dieu joigne dans où il y a un monde qui est d'accord, que mon Dieu joigne dans où il y a un monde qui a marché dans l'obéissance, que mon Dieu joigne dans où il y a un monde qui est fidèle. Et puis, donc, mon Dieu dit, si je joins ça dans où, ma taille est mandat avec moi. Si je joins ça dans où, ma levé. Si je joins ça dans où, ma mené nos dimensions de gloire, nos dimensions de puissance, nos dimensions élevées. Et puis, donc, mon Dieu dit, ma femme est bouchée de mieux. Et puis, donc, le Seigneur a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied, ton marche-pied, ton marche-pied, que mes ennemis deviennent mon marche-pied. Ennemis invisibles, deviens mon marche-pied. Ennemis visibles, deviens mon marche-pied. Marche-pied, 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 au nom de Jésus. Si vous faites ça, l'Éternel dit, mais qui ça l'a fait? Si me parlez de alliance inconditionnelle et de alliance conditionnelle, il y a important tout pour me dire que dans la Bible, nous joignons tout au moins trois éléments qui sont censés être présents dans toute alliance. Je me dis dans la Bible, nous joignons tout au moins trois éléments qui t'a censé être toujours présent dans l'alliance. Dans un premier temps, où joignent ça les stipulations de l'alliance. C'est ça, alliance l'a dit, c'est ça, les termes de l'alliance. Promesses et obligations. Droits et responsabilités. Conditions. Avantages et sanctions. Il y aurait ça, les terme de l'alliance. Dans la mesure où tu es fidèle à l'alliance, mais qui doit qu'on gagne, mais qui bénédiction qu'on gagne, mais au cas où tu serais infidèle à l'alliance, mais qui sanction va encourir, au cas où tu aurais violé l'alliance, mais qui peine va gagner pour purger, il y aurait ça, les stipulations de l'alliance. Mais qu'au deuxième élément, généralement présent dans l'alliance, il y aurait laissé ça le signe de l'alliance. Le signe de l'alliance, c'est un indice, un marqueur, quelque chose qui rappelle le souvenir de l'alliance. Par exemple, dans l'alliance que Dieu t'a coupé avec Noé, l'Éternel dit à Noé, mais signe alliance là, qui a fort qu'on est, que moi-même, bon Dieu, moi, pape détruit la terre par l'eau. Et puis, l'Éternel plaqué dans le ciel-là, il y a un arc-en-ciel. Il y a réalisé ça, le signe de l'alliance. Avec Abraham, l'Éternel prend le bas, il y a un signe de l'alliance. En réalité, oui, l'évangile est mauvais. L'évangile est mauvais, oui. Mais regarde ça! Moi, je vais me faire l'île. Oui, l'évangile la miel dans mes soeurs. L'évangile la miel dans mes soeurs. Avec Abraham, l'Éternel bat le signe de l'alliance. Parce qu'on joue ça dans Genèse chapitre 17. On allait rapide, on allait rapide, on allait rapide. Parce que je me voir les bonheurs à soeurs. Mais il faut me laguer l'évangile là. Non, ouélou. On allait rapide dans Genèse chapitre 17. Genèse 17. Verset 10 et 11, mais qui ça, bon Dieu dit, bon l'île, depuis dans verset 9, Dieu dit à Abraham, Genèse 17, je lis à partir du verset 9, Dieu dit à Abraham, toi
tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et puis dans verset 10, là, il dit, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Attendez, ça dit, tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera, watch this, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils étranger sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Il y aurait ça, le signe de l'alliance. Avec Noé, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Avec Abraham, le signe de l'alliance avec Noé, c'est l'arc-en-ciel. Avec Abraham, le signe de l'alliance, c'est la circoncision. Avec Israël, le signe de l'alliance sera le sabbat. Parce qu'on doit joindre ça. Parce qu'on doit joindre ça. Bam moto. Bam la gueule nan ouelou. Avec Israël, le signe de l'alliance sera le sabbat. Exode 31, versets 16 et 17. Exode 31. Alléluia! Verset 16 et 17. Tenez ça. Bon, prenez depuis dans verset 15 là. Bon Dieu dit comme ça. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Et puis tout le continue, il dit, les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Et puis tout bon Dieu continue, il dit, ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe, un signe qui devra durer à perpétuité. Et puis on le dit, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour, il a cessé son œuvre, il s'est reposé. Donc, dans la tradition biblique, une alliance de tout au moins 3 éléments. Il y a les stipulations de l'alliance, il y a les signes de l'alliance, bon, 3e élément. Il y aurait le sceau de l'alliance. Une alliance est généralement scellée par le sang. Le mot grec pour alliance, c'est diatheke, qui parlait d'un accord, un arrangement, un testament entre 2 parties. Et yon n'a pas besoin qu'on ait, ou a besoin qu'on ait que le grec est un langage beaucoup plus abstrait, beaucoup plus conceptuel. Mais en hébreu, Pasteur B, le mot pour alliance, c'est pas diatheke, c'est berit. Et ce mot signifie littéralement coupé ou bien contracté. Le langage est beaucoup plus vif et imagé. Why? Lorsqu'on dit coupé, c'est parce que dans la culture de l'époque, les alliances étaient souvent conclues par le sectionnement rituel d'un animal en 2 parties. Ça veut dire, yo coupe là où on a fait l'alliance, yo prend bête, yo fend en 2, et puis tout 2 parties yo passé dans mi-temps. Ça veut dire, si un monde arrivait à violer l'alliance, ça, même Jean bête ça coupé en 2, c'est même Jean a coupé en 2. Donc, ou pas capable de violer une alliance sans ou pas mourir. Une alliance, c'est un contrat contraignant, un accord contraignant. Quand on fait une alliance, on est lié légalement et on est tenu par la loi de la respecter. Tout au début de la révélation de Dieu, dans le livre de la Genèse, nous joignons un principe puissant
quand quelqu'un conclut une alliance ou bien coupe une alliance, tendez bien l'évangile ça. Les hommes coupés en alliance, c'est pas seul monde qui est impliqué, mais c'est sa famille, sa progéniture et toute sa descendance. Raison, c'est parce que une alliance se transfère. A covenant is transferable. Ça veut dire. Ça veut dire si je fais une alliance, l'alliance ne s'arrête pas à moi. Les transférer à petit moins. Les transférer à petit moins. Les transférer à petit moins. C'est comme ça l'alliance travaille. De génération en génération. Watch this. Parce que faut un bon texte biblique. On allait dans Genèse. Premier texte, ma baou. Genèse, chapitre 6. On allait dans Genèse, chapitre 6. Ma pensée pour me voir enseignement ça, pour comprendre ce qui a passé dans le texte là. Genèse, chapitre 6. Mais qui ça, bon Dieu dit? Bon Dieu parlait avec Noé. Bon, l'île depuis dans verset 16. Pour me finir dans verset 18. Tenez ça, dit. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée d'en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, verset 17, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Verset 18, et puis tout le temps, ça le dit. Mais j'établis mon alliance avec toi. J'établis mon alliance avec toi, Noé. Mais ce n'est pas seulement Noé. Parce qu'il dit, tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. L'alliance est coupée avec Noé. Mais l'alliance implique les fils de Noé et les femmes de ses fils. On continue. Deuxième texte. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Nous jouons bon Dieu qui a parlé à Abraham dans ce sens-là. Bon, lis pour vous depuis. Alléluia. Genèse chapitre 17. Bon, lis pour vous depuis dans verset 19. Bible a dit, Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Et puis tout le temps, ça, bon Dieu dit, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. L'Éternel coupe en alliance à Abraham, mais il dit, m'a établi alliance à petit ou Isaac. Il a une alliance perpétuelle qui pourra aller de l'âge en âge, de génération en génération. Maintenant, tenez bien, ou pral ouais, l'Éternel pral font bagaille droit, pasteur bi. Qui ça l'Éternel pral fait, mes amis? Qui ça bon Dieu pral fait? Dans le livre de la Genèse, à deux reprises, l'Éternel pral paraît dans un premier temps, il pral paraît à Isaac, et dans un deuxième temps, il pral paraît à Jacob. Parce qu'on joue une bagaille, ça y est, on allait. Dans le chapitre 17, bon Dieu coupe en alliance avec Abraham. Dans le chapitre 26, bon Dieu paraît à Isaac. On allait, Genèse chapitre 26. Genèse 26. Verset 1 à 6. Alléluia. Tenez ça dit. Genèse 26, 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Please, gardez ça qui a passé. Bon Dieu établit une alliance avec Abraham dans le chapitre 17. Dans le chapitre 25, Abraham mourit. Dans le chapitre 26, bon Dieu paraît contre Isaac. Bon, me dis encore. L'Éternel établit une alliance avec Abraham dans le chapitre 17. Dans le chapitre 25, Abraham mourit. Dans le chapitre 26, bon Dieu paraît contre Isaac. Tenez ça, le dit.
Il dit comme ça, l'Éternel lui apparut, verset 2, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Attendez, ça dit, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et puis tout dit, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Why? Parce que Abraham a obéi à ma voix. Et il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça qui passe. Abraham, t'es fou contrat. Abraham, t'es coupé en alliance. Abraham mourit. L'Éternel. Côte petite île manifestée. But there's more. L'Éternel Kounia. Nous devons Abraham mourir dans le chapitre 25. Dans le chapitre 26, bon Dieu présente le côté Isaac. Dans le chapitre 28, l'Éternel passe. Paraît côté petite Isaac. Yoré les Jacob. Genèse 28. Genèse 28. Forme bon texte pour comprendre ce qui a passé. Genèse 28. Dans Genèse 28. À partir du verset 10, la Bible a dit comme ça, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Verset 12, il y eut un songe et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus, au-dessus d'elle. Et il dit, attendez, oui, attendez comment l'Éternel parle à Jacob. Oui, il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Et puis tout le temps, ça dit, aïe, 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 ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et puis tout le temps, il dit, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Comment l'Éternel fait paraître comme côté Isaac, comme on fait paraître côté Jacob, qui s'accroît du roi pour paraître côté eux. L'Éternel coupé en alliance à Abraham. Et alliance, il était coupé à Abraham dans le doigt pour le paraître que petit Abraham, pour l'adresser petit Abraham. Why? Parce que en coupant cette alliance avec Dieu, Abraham bat mon Dieu toute race là. Abraham bat mon Dieu toute famille. Abraham, bah mon Dieu, depuis ses sacs sont dans le réel, libère mon Dieu, toute génération. Et puisque, en tant qu'on dragon bénédiction, en tant qu'on dragon grâce, une grâce qui vient avec paix, une grâce qui vient avec richesse, une grâce qui vient avec prospérité, c'est pas seulement Abraham qui était riche, c'est pas seulement Isaac qui était riche. C'est pas seulement Jacob qui était riche. Ou après marqué jusqu'à présent, juifs ont béni. Jusqu'à présent, ils prospèrent. Jusqu'à présent, ils riches. Jusqu'à présent, ils avancé. What is this? C'est parce que grand papa yo découpé en alliance avec mon Dieu. Et des gens qui ont dit, mais passe, quand on parle avec nous. Je vais montrer. Même j'ai alliance, il y a bénédiction tout. Il y a malédiction. Parce que c'est ça que fait un fort. Lis texte. Exode là. Dans Exode 4, verset 24. Bon, lis pour encore. Exode 4, verset 24. La Bible a dit comme ça. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Bon Dieu, dit Moïse, descend. Et Bible a dit, pendant Moïse a descendu dans l'Égypte comme ça, l'Éternel croisé avec elle. Et puis tout l'Éternel attaque. L'Éternel frappe.
L'Éternel met maintenant colère lui. L'Éternel fouquel. L'Éternel gagonel. Et l'Éternel tapchouel. Question. Why? Pour qui raison? Bon Dieu te rangé col pour tuer Moïse. Ah! Bien content, vous posez une question ça. C'est parce que Moïse font négligence quant aux stipulations de l'alliance. Moïse est grand petit, il n'est pas de circoncile. Or, il y a une alliance qui était faite, ou Albi Abraham. Et c'est une alliance qui était faite là. Depuis cette garçon qui fait, il est supposé circoncile le 8e jour. Mais Moïse qui fait ce garçon, hein? Et puis tout le passé concile. Qu'il y a ça qui passe, le Dieu de l'alliance attaque. Parce que l'aile tenait devant l'autel là. Il était coupé alliance. Il y a une bagarre d'accord pour le faire. C'était plus de 6 personnes qui sont dans elle. Après 8 jours, 10 garçons. Il faut aussi concile. Now, je vais laisser expliquer aux. Problème en pile haïtien. C'est mon Dieu qui établit principe alliance là. Fonctionner dans les limites de l'alliance, lui obligé à respecter Satan. Les Satan a fonctionné dans les limites de l'alliance. On me dit là quoi? Même Jean mon Dieu fonctionnait dans les limites de l'alliance qu'elle coupait avec les hommes. Lui obligé à accepter que moun qui fait alliance avec Satan, Satan traitait avec yo selon les termes de l'alliance que yo coupé avec Satan. Maintenant, on va poser ta toute question. Pour qui raison que ti moun, depuis le fait, diable a attaqué? Depuis le fait, diable a réclamé? Ti moun qui pas même fait Haïti? Qui pas jamais à Haïti, qui pas consacré les diables, qui pas consacré les loups-garous, loups à monter, loups à attaquer, loups à sceller. Comment ça fait fête? C'est parce que dans la signe, gon grand papa, gon tonton, comme ma tante, comme maman ou papa, qui te al devant hôtel, qui te font contrat. Et là, elle fait contrat. Ça ne pas réalisé. Elle pas seulement met tête li en danger, mais elle met toute génération en danger. Toute racine en danger. C'est ça que fait. Moun pa wè moun ou marié à moun comme ça. Moun pas sot tombe sous moun ou foure quoi en bas moun pour ça ou pas contre ça que t'es passé dans la famille ou pas contre ça que t'es fait dans la race là des moun depuis ces petits qui sont dans la famille dans la famille Satan réclame et des moun qui pas qui n'a jamais fait petit dans la vie raison c'est parce que t'es gon maman qui pas qu'a fait petit qui t'a devant hôtel qui te demandé au petit et ennemi en bas petit là mais dit pendant ma bonne petite ça tout ça qui a sorti après me réclamer me prendre et puis tout bon Dieu obligé d'accord bon Dieu obligé accepter parce que bon Dieu c'est mon Dieu d'alliance si lui même dans alliance lui fait avec l'homme. Il est capable de faire des revendications. Satan tout. Des droits légalement. Pour le revendiquer. Ça pour lui. Par alliance. Des familles selon alliance qui fait. Depuis ces jeunes filles qui fait dans la famille ça. Il y a drivé. Il y a gagoté. Il y a passé mal. Mais on pas foutu jouer dans le monde qui vient. Qui marie avec eux. Même si moun nan ta gen bonne intention depuis le rejet kol pou le fond bon bagay esprit hôtel là
à pousser. Des jeunes garçons, selon le contrat que tu as fait sur l'hôtel là, c'est ta fierté pour eux. Tu mets ouais, nègre a senti bon. Ou tu mets ouais, nègre a éduqué le fait classe. Pendant la classe là, bouteille ta fiale dans la poche. Parce que, ton contrat que tu as fait, ton alliance qui t'est coupée. Et alliance ça continue suivre mon nom. Les hôtels sont un lieu d'alliance. Des moun. C'est une famille qui va nous. Des zones, c'est tout le monde qui est dans la zone net qui va. Des races, c'est toute race la net qui va. Des générations, c'est toute génération net. Esprit hôtel a frappé. Esprit hôtel a attaqué. Esprit hôtel a fait dégâts. Et c'est ça qui fait me sentir pour me dire. Des fois, dans un moment de prière, demandez bon Dieu pour lui révéler quelque bagaille. Dans un moment de prière, demandez bon Dieu pour lui révéler. Ça qui fait la vie arrête pour vous comme ça. Ça qui fait marrer comme ça. Ça qui fait entortiller comme ça. Des mouns, Haïti, misé à la Kaili. L'entrée ici, misé à la Welli Pired. Bagayou pas ka marcher. Des mouns qui te présenté devant hôtel. Gon alliance qui te fait. Gon contrat qui est signé. Des promesses qui te fait. Tenez bien. Ou après marquer, attendez. Ou après marquer des familles. Tout le monde a mouru avant l'heure. Et a mouru mal. Bon, dis ça encore. Ou après marquer des familles. Tout le monde a mouru avant l'heure et a mouru mal. Je j'ai l'aime tap gadi, bon la kaye mwen. T'es gon famille, comme ça. Bel jeune garçon. Belle jeune fille. A travail réussi. Mais yon mouri, yon pa yon. Ça qui passe, bon bagay nan famille, t'es fait. Et à cause de ça que t'es fait nan famille, hein, l'esprit hôtel là, mandé pour le boisson. Et la boisson. Peut-être qu'un jeune garçon qui a attendu l'évangile ça. Peut-être qu'un monde qui a attendu l'évangile ça. Et puis tout senti, son pas qu'on aime, ou pas qu'on j'aime, c'est la vous m'a expliqué. C'est la vie où bon Dieu a révélé. Et puis tout m'a demandé mes passes. Qui ça pour me faire? Des monde, c'est lui-même qui peut-être lui aller. Mais des mouns, c'est pas l'icale, son parent qui venir. Passe! Qui ça pour me faire? Pour me délivrer? Qui ça pour me faire? Pour me chaper? Qui ça pour me faire? Pour me sauver? Bon Dieu. Ouais misère. Bon Dieu, ouais divorce. Bon Dieu, ouais ça cap ravager. Li ou pas ka vivre. Li ou pas ka travail. Li ou pas ka fonctionner. Li ou pas ka graduer. Li ou marié. Li ou en danger. Bon Dieu, ouais, misé l'homme a passé en bas réclamation des hôtels. Et sauveur, aïe aïe aïe, il décide
que la baille l'homme nan, yon porte de sortie. Mais comment? Comment il pourrait faire ça? Yon nan bagay wap besoin qu'on est, wap besoin qu'on est que dans le monde spirituel, pour craser yon contrat, wap besoin yon contrat qui plus fort. Pour craser yon alliance, wap besoin yon alliance qui plus fort. Et puisque, alléluia, puisque les alliances yon coupé sous un hôtel, pour que pour alliance faite, wap besoin yon hôtel, et puis tout l'Éternel planté un hôtel sous calvaire. L'Éternel planté l'hôtel de la croix. Amen. L'Éternel planté l'hôtel du calvaire. L'Éternel planté l'hôtel de Golgotha. Et puis tout sous hôtel ça, l'Éternel ouvert un sacrifice qui plus fort. Un sacrifice qui plus puissant. Un sacrifice qui plus grand. Un René Jésus de Nazareth. Quel monde qui va comprendre? C'est peut-être ça. Avant Jésus mourir, il prend pain. Alléluia. Et puis tout le prend du vin. Et puis tout déclarer. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Hey! 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 Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Mais pour qui raison? Mais pour qui raison? Depuis ce monde qui rentrait en bas hôtel Jésus. Depuis ce monde qui rentrait en bas hôtel la croix. En bas hôtel calvaire. C'est courou, courou, courou. C'est cachot, caché. C'est en bas, ça nous prend. Et puis tout me donner. Satan qui a réclamé. Satan qui a demandé. Et puis tout l'Éternel dit. Selon les lois du ciel. Selon les principes du monde invisible. Yon hôtel. Yon alliance. Pour défaite. Faut gagner. Yon alliance. Qui plus fort. Et à la croix. Yon hôtel qui t'est dressé. À la croix. Yon alliance qui t'est faite. Et puisque. Mounsa. Li accepte alliance là, puisque Mounsa li d'accord sacrifice là, puisque Mounsa li accepte hôtel là. M'lagel, m'délivrel, m'libérel, m'libérel, alliance là classe, qui a alliance ou classe, qui a bon affaire avant encore. Pas qu'à bon affaire avant encore. Dans le second, qui sa maman te fait. Dans le second, qui sa papa te fait. Dans le second, qui sa grande te fait. Dans le second, hey, qui sa grand-père te fait. M'accepter l'autel de la croix. M'accepter le sacrifice de la croix. M'lague. M'en libérer. M'en délivrer. Moi, je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Nous espérons que nous avons béni par message ça. Nous encourager pour capable et bien continuer et bien utiliser plateforme ça pour capable prendre soin d'amour et enrichir spirituellement. Nous encourager également pour capable soutenir ministère ça. Il y a plusieurs façons capable faire ou capable via Zelle ou capable utiliser Cash App et ou bien doit utiliser voie postale et même PayPal dépendamment de côté et gens qui plus facile pour nous dit bon Dieu merci pour ministère ça que le mettez pour capable encourager les gens former monde édifier et ainsi pour nous capable faire route là ensemble jusqu'à ce que le Seigneur revienne. En attendant que nous rencontrions encore nous laguons dans deux plans mes papa bon Dieu et nous dit bon Dieu remets nous remets tout bye bye.